Allez, maintenant, il y a... Oh, bah, il est encore plus magicien. Il fait apparaître un deuxième foulard. Victoria, la belle Victoria, c'est à toi maintenant. Comment ça va, Victoria? Oh là là, il faut que je remonte un peu le micro. T'as quel âge, toi, Victoria? 17 ans. 17 ans? 7 ans. Ah, 7 ans. Approche-toi un petit peu. Regarde, est-ce que ça te va? Oui. Oh, t'as des yeux, toi. Vert, superbe. Merci. Tu dois avoir plein de petits copains, je suis sûr. Oui. Faut que tu me racontes ça. Alors, dans l'ordre, ton préféré, c'est qui? Mathéo. Où est-ce que tu l'as rencontré, Mathéo? À l'école. Il est dans ta classe? Non. Il est dans la cour de récré? Oui. Où est-ce qu'elle est, cette école? Je veux dire, c'est dans quelle ville? Je t'ai pas demandé d'où tu venais, Victoria. De Vaucresson. Vaucresson, c'est la région parisienne. Est-ce que ça te plaît d'aller à l'école? Oui. Bah, ça t'a permis de rencontrer Mathéo, mais à part Mathéo, j'ai cru que t'en as d'autres, des petits copains? Oui. Alors, comment ils s'appellent, les autres? Le numéro 2? Victor. J'ai compris que tu préférais un petit peu Mathéo, a priori. Je préfère les deux. Tu sais que ça rigole pas, là. Hein. T'as raison. T'as raison. Est-ce qu'il y en aurait par hasard un troisième? Non. Ouais, deux, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà beaucoup. Ça doit t'occuper pas mal de temps. Je sais que vous êtes rencontré avec Plastique tout à l'heure, non? Oui. C'était en loge, c'est ça? Ouais, il me dit un petit coucou dans ma loge, ouais. Et on devait avoir une caméra, non? Sûrement, je pense. Ouais, il y avait une caméra, mais j'étais vraiment. C'est moi qui étais impressionné. Il est rentré dans ma loge comme ça. J'étais vraiment. C'est tellement vrai mignonne. Ouais. Bah écoute, on va voir ça. Regarde sur l'écran, là. Je vais aller dans la loge de Plastique Bertrand. C'est toi qui t'as une question à me poser, alors j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne. Pourquoi t'as choisi de t'appeler Plastique Bertrand? Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était l'époque punk. Et moi j'étais batteur et chanteur dans un groupe. Et pour m'amuser, je m'habillais parfois avec des sacs poubelles que je coupais, comme ça, toi, je passais les bras et je la batterie comme ça, donc un sac en plastique. Et mes potes m'ont appelé Plastique, Plastique, Plastique. Et puis quand j'ai dû choisir un nom de scène pour ma carrière, ça a été Plastique Bertrand. T'as tout pigé? Bon, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Bisous. Gros bisous. Super. C'est vrai le sac en plastique, c'est ça? Ouais, ouais, c'est vrai, l'histoire c'est ça, quoi, tu vois, c'est vraiment parce que c'était des punk avec, on s'habillait un peu n'importe comment, et puis c'était rigolo, puis ça m'est resté, quoi, au bout de 35 ans, on m'appelle plastique, plus personne m'appelle, tout le monde m'appelle plastique, c'est devenu mon prénom, quoi. C'est ça, d'accord. Alors tu bouges beaucoup sur scène, tu danses beaucoup, mais figure-toi que je crois que Victoria, t'aimes bien danser aussi, toi. Oui. Mais tu danses pas seule, par contre, t'aimes bien être avec tes copines? Oui. Mais t'ont accompagné tes copines? Oui. Comment elles s'appellent, tes copines? Zoé et Philomène. Et elles sont où? Ambre, Zoé et... Waouh! Allez, venez les filles. Ambre, Zoé et Philomène. Et vous dansez sur quoi, alors? Le cœur de pirate, la chanson s'appelle Ensemble. Ah oui, c'est bien ça. Mais disons, vous êtes toutes dans la même classe, là? De quoi? Des cours de danse. Ah, vous avez des cours de danse ensemble? Oui. D'accord. Alors, vous mettez comme vous voulez... Et vous allez danser sur... Alors, sur Cœur de Pirate, c'est ça? Ah oui, c'est une... Comment? Toi, t'es la contestataire du groupe, toi. Qu'est-ce que tu dis? Le titre, c'est Ensemble. Et c'est pas ce que j'ai dit? Je sais pas. Ah, bon, si, j'ai dit Ensemble, Cœur de Pirate, j'ai dit ça. C'est ça? Oui. Ah, tu me rassures, tu m'as fait peur. T'es qui, toi? T'es Philomène, t'es Zoé, t'es... Philomène. Ah, je savais que t'étais Philomène, je le sentais. Alors, on y va, c'est parti. Ensemble, c'est Cœur de Pirate. Et là, c'est une choré spéciale École des Fans 70. C'est parti. 4. C'est fini, je viens d'être enfermé.